qui ne salue pas le mari. Oh! Tu as laissé ta tête vraya. Si la femme fait peu et tu la motives, tu l'encourages, elle va faire beaucoup. Mais quand elle fait peu et tu méprises, hey! Après la consécration à l'église, le couple rentre paisiblement à la maison. Et ainsi, la vie de couple commence. Le foyer s'installe sous la bénédiction du Seigneur. Maintenant, quel est le rôle de chacun dans le foyer pour que le foyer ne devienne pas un foyer qui produit du feu? Je vous dis, si vous négligez un seul point dans tout ce que nous avons énuméré, vous allez bien rentrer à la maison ensemble. Mais la lune de miel, ça ne fait pas 3 mois. Et les caractères commencent à sortir. Les caractères. Voilà. Les caractères commencent à sortir. Enlève ces tes choses de là. Enlève ta chaussure là. Et viens lever tes habits de là, non? Et ça commence. Ça commence. Simplement comme ça, hein. Et bibe, tout ce qui brûlait ton corps, mariage, ça commence pas à s'éteindre. Et ton chichi. Ça commence pas à s'éteindre. Et on commence pas à prendre un peu de dégoût. Et ma loba. Je vous dis, ça ne va pas se passer. Et ma dans la sainte. Amen. C'est pour ça que nous avons pris suffisamment de temps pour expliquer comment préparer. Maintenant, nous sommes rentrés maintenant dans le foyer. Maintenant, comment est-ce que nous allons vivre le bonheur dans le foyer? Le paradis que nous avons perdu, que le Seigneur veut restaurer dans le foyer. Comment est-ce que nous pouvons vivre ça? Alléluia. Amen. La femme, Nyonu, pour gagner le cœur de son mari, pour gagner le cœur de son mari, doit lui montrer du respect. Du respect total. Dès le début que tu es rentré dans le foyer, il faut déjà, c'est que très tôt, il faut pas montrer les caractères de vieil homme qui ont survécu en toi là. Il faut pas les montrer, faut les tuer. Tu montres du respect. Quand tu veux d'abord le matin. La première chose à faire, c'est que tu dois saluer ton mari. Il y a des femmes qui ne saluent pas le mari. Oh! Tu ne salues pas. La salutation, c'est un acte de bénédiction. Partage de bénédiction. Donc tu te réveilles à fond. Tu salues chaleureusement. Tu lui montres tout l'amour que tu as pour lui. Et tu lui souhaites le meilleur. Tu prononces des paroles de bénédiction pour lui. Avec amour, avec douceur, avec tout ce qui est joli. Alléluia.
tu agrémentes son cœur toute la journée. Quand il est au service, c'est qu'il sera heureux. Parce que son bonheur est à la maison. Il va penser à toi toute la journée. Parce que tu as semé une partie de toi en lui. Alléluia. Alléluia. La salutation est sacrée. Importante. Et il faut apprendre à le faire. Il y a certains qui vont se réveiller. Oui, bonjour. Afongadia. Tu t'es bien réveillé? Non. Comment? Faut le fisser avec amour. Mon chéri. Est-ce que tu as dormi un peu? Adam Logandia. Alléluia. Amen. Vous réveillez au foyer. Et à fond au point de main. Saluez-vous. Midokbenamide. Changez. Midoho. Les vœux. Midoho les bénédictions. Donnez-si hole. Avec amour. Pouwanyipo. Avec amour. Pouwanyipo. Ça ne prend même pas. Deux minutes. Mais quand tu le fais, il y a un partage de connaissances spirituelles. Un partage de connaissances spirituelles. Alléluia. Les premiers mots, quand vous vous réveillez, c'est vous saluer. Vous saluez. Saluez-vous chaleureusement. Embrassez-vous. Parce que vous êtes devenus maintenant une seule chair. Partagez la connexion d'amour. Alléluia. C'est très important. La femme doit montrer de la considération. La considération. La considération. De la considération pour son mari. De la soumission totale pour son mari. Lisez-moi Éphésiens 5, 22, rapidement. Éphésiens 5, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Non, attendez. Lisez-moi d'abord Colossiens. Colossiens 3, 17, 22. Colossiens 3, 17. Je lis au nom de Jésus. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mm-hmm. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie. Soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Donc maintenant vous êtes mariés, vous n'êtes plus fiancés, vous n'êtes plus frères et sœurs à l'église. Maintenant vous avez changé de statut. Le statut a changé. Donc les choses doivent changer. La manière dont tu la saluais, tu le saluais à l'église. Maintenant que vous êtes maintenant sous le même toit, ce n'est plus frère, sœur. Alléluia. Vous êtes devenus couplants. Donc vous devez adopter les comportements de couple. L'enseignement qu'on donne maintenant, c'est couple maintenant. Ça, c'est couple.
Ce qu'on avait donné, c'est comment préparer pour devenir couple. Maintenant, vous êtes en couple maintenant. Donc, le statut change. Alléluia. Donc, la femme, c'est la soumission à son mari. Comme il convient au Seigneur. Comme tu peux te soumettre au Seigneur. La manière dont tu crains Dieu. C'est comme ça que tu dois craindre ton mari. Alléluia. Marie. Marie. Oui. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Marie, la manière dont tu aimes le Seigneur. C'est comme ça que tu dois aimer ta femme. Et ne vous aigrissez pas contre elle. Aigri. Sonou. Adjamano. Sonou. Adjamano. Alléluia. Faut pas faire ça à ta femme. Faut pas être aigri envers ta femme. Faut pas être violent envers ta femme. Faut pas être terroriste envers ta femme. Et quand ta moto sonne, c'est que ta femme, elle a peur. Non, c'est pas bon. Ta femme ne doit pas avoir peur de toi. Elle n'a pas épousé un lion. Elle a épousé son cœur. Elle n'a pas épousé un lion. Elle a épousé son cœur. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire trembler ta femme. Il faut montrer de l'amour. Amour. Toi, c'est quand tu as besoin du sexe que tu es gentil. Que ton visage change et tu souris un peu. Quand tu finis seulement, tu deviens lion. Tu es qui? Tu es qui même? Il faut changer. Tu es devant l'écran. Je te parle. L'esprit de Dieu te parle. Il faut changer. Le temps que ta femme a tremblé dans le foyer là, faut avoir pitié d'elle. Faut changer. Change. Alléluia. Faut changer. Dieu. Toi, tu ne trembles pas devant Dieu, mais ta femme tremble devant toi. Parce que tu as pris ta femme comme un esclave. Tu la tortures moralement. Tu casses ton pied. Tu casses tout. Parce qu'il n'y a plus l'amour. Parce que tu as trouvé les filles ceci collant dehors. Un, deux, tu dis hey, dehors, il t'attend quoi? L'enfer te réclame. Les maris terroristes. Les maris aboyeurs. Les maris qui aboient comme du chien. Repentez-vous. Repentez-vous. Aime ta femme. Ce n'est pas elle qui t'a fait la coup, mais c'est toi qui lui as fait la coup. Elle t'a accepté. Est-ce que c'est un crime? C'est vrai, elle n'a pas le discernement. Elle est tombée dans ton piège. Mais aie pitié. Aie pitié. Ça te plaît de la violenter. Ça te plaît de crier sur elle. Pardon. Crie Dieu. Le Dieu qui l'a créé t'a créé. Tu
faut plus mépriser ta femme. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. C'est ce que je vous enseigne. Et le Seigneur veut que sur ce sujet, tous les foyers où les hommes aboient, que ça cesse maintenant. Que ça cesse. Alléluia. Vous réveillez, vous saluez. Vous embrassez. Vous. C'est que la tendresse. C'est ça. La vie n'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer. Mais pourquoi vous voulez compliquer les choses? Faciliter les choses. Laissez le Saint-Esprit se mouvoir dans votre foyer. Le Saint-Esprit n'aime pas là où il y a le feu, là où il y a la tension. Alléluia. Vous avez tellement aboyé que tous les voisins vous connaissent. Et tu n'as plus honte d'aboyer chaque fois sur ton mari et sur ta femme. Elle ne sait plus quoi faire. Il n'y a pas quelque chose qu'elle fait que tu peux apprécier. Marie, apprenez à apprécier vos femmes. Si elles font des choses, des gestes, apprenez à apprécier, à sachez valeur, ça les motive. Apprenez à motiver votre femme. Les femmes sont très sensibles à ça. Si la femme fait peu, et tu la motives, tu l'encourages, elle va faire beaucoup. Mais quand elle fait peu, et tu méprises, tu craches sur ça. Oh, ouais, hey! Tu ne vas jamais découvrir son cœur. Le cœur des femmes là. Quand tu sais gérer, tu vas obtenir des bonnes choses. Alléluia. Ta femme a préparé. Tu ne sais pas dans quelles conditions elle a préparé. Et peut-être que le sel a dépassé légèrement. C'est fini. C'est le buzz de la journée. Alléluia. Ça peut arriver même. La meilleure femme qui sait préparer le meilleur repas. Ça peut arriver que un jour, le sel a dépassé légèrement. N'en fais pas un sujet de guerre. Non, le Rwanda a arrêté la guerre depuis. Il ne faut pas amener la guerre. C'est pas la guerre. Tu ne sais pas si au moment où elle préparait, peut-être que c'est l'enfant qui a pris celle qui a mis dedans, elle n'est pas là, elle ne sait pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que le. Quand toi tu vas au boulot, tu ne sais pas tout ce que les femmes souffrent à la maison. Pour te préparer. Peut-être difficilement tu as laissé 1500 à la maison. Et si avec les 1500, elle s'est démerdée pour faire le repas. Quand tu manges, bénis le Seigneur. Encourage-la. Bénis-la. Son âme va te bénir en retour. Mais tu manges avec colère. C'est pas bon. Ça, on s'est marié. C'est mari. Homme. La femme. Assis. Pas aussi. Apprends
prends les bonnes choses. Les bonnes choses. Tu connais ton mari. Apprends encore à le connaître. Des choses qui peuvent toucher son cœur. Des choses qui peuvent l'apaiser. Des choses qui peuvent le calmer. Apprends à le connaître. Parce que vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. Peut-être que lui, il a grandi dans un foyer violent. Donc, il est né dans la violence. Donc, toi, c'est toi qui dois apprendre à l'apaiser. Alléluia. Apprends. Une fois que tu l'as déjà épousé, vous êtes ensemble. Tu sais qu'il n'y a pas sujet de quitter. Donc, mieux vaut travailler pour changer les choses. Alléluia. Donc, il n'y a pas sujet jamais de crier sur ton mari. Jamais. Si il crie, laisse-le vider son sac. Calme-toi, reste calme. Ça va passer. Calme-toi. Faut pas. Il parle et tu réponds. Tu discutes avec lui. Ça fait monter la température. Ça fait monter la température. Alléluia. C'est des choses très importantes à ne pas négliger. La femme doit se soumettre. Quand la tension vient, elle doit apaiser ça, calmer ça. Tu as fait telle chose. Ton mari dit, ah, pourquoi tu as fait ça? Il faut que ton excuse soit prompte. Excuse. Que ça soit prompte. Il faut demander vite pardon. C'est simple. Ça ne diminue rien sur toi. Non. Alléluia. Alléluia. Tu peux même t'agenouiller devant ton mari. Parce que la Bible dit, c'est lui le chef. Pour lui demander pardon. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut produire. Moi, je vous dis, quand j'avais épousé ma femme, d'abord, j'ai fait un vœu à ma femme. Je lui ai dit, je ne vais jamais te toucher dans ma vie. Je ne vais jamais lever la main sur toi. Et je veille sur ça. Et je prie pour que cela n'arrive jamais. Et je bénis le Seigneur que elle n'a pas ce caractère qui peut même m'amener à penser à ça. Un jour, on était au début. Elle a fait quelque chose. Ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement énervé. Mais je ne veux pas gronder sur elle. Je ne veux pas la taper. Je ne veux rien faire. Et ça me torture. Je suis vraiment fâché. Et j'ai quitté la maison. La nuit profonde est vers 23h01. En ce moment, j'avais déjà une voiture. J'ai quitté la maison. J'ai pris ma voiture, j'ai quitté la maison. Quand j'ai quitté la maison, ce que je vous dis, ça fait vers 2013.
2013-2014. Donc, quand j'ai quitté la maison, je ne voulais même plus venir à la maison. Je vais passer la nuit dans ma voiture dehors. Et j'étais énervé. Mais quelques minutes, mon portable a sonné. Et elle m'a envoyé un message. Et le message, elle m'a envoyé. Mon chéri, c'est à cause de ça que tu es fâché. Pardon, viens à la maison. On va traiter, on va gérer. Je te dis, quand j'ai lu le message, c'est comme si c'est glaçon qu'elle a versé sur moi. J'ai couru même pour venir à la maison. Et je vous dis, j'ai fait capture d'écran du message. J'ai dit, ce message, je vais garder et je vais montrer à mes enfants. Malheureusement, le portable est perdu. Je vous dis, c'est que tu n'as pas, c'est pas de grandes choses. Il y a des hommes qui sont tellement faibles que il suffit seulement d'apprendre à les connaître. Et tu vas être même leur reine. Je te dis. Des choses simples à faire. Pour être la reine, la princesse, il faut juste apprendre à connaître ton homme. Tu sais que je fais telle chose, c'est pas bon. Tu sais qu'il n'aime pas telle chose. Apprends à le connaître et respecte ça. Si tu traces une ligne rouge, il ne faut pas dépasser. Ne permets pas qu'il te fasse la même reproche deux fois, trois fois, quatre fois. Tu deviens rebelle. Il y a des femmes. Quand tu leur parles légèrement, elles ne coupent pas. Tu dois crier d'abord. Aïe. Pourquoi la même chose que je peux te dire avec bruit, tu vas écouter. Pourquoi tu ne peux pas écouter la même chose si je parle avec douceur, avec simplicité? C'est le même mot. Tu fais la chose. Chérie, laisse ça. Non, laisse. Tu ne laisses pas. Laisse! Hein? Mais c'est le même mot, non? C'est le même mot. Mais tu veux que ça fasse du bruit d'abord. Avant que ça ne te pénètre. C'est pas bon. Soyez sensible. Soyez vraiment sensible. Ne soyez pas. N'endurcissez pas. N'endurcissez pas votre cœur. Ne soyez pas rebelle. Ne soyez pas insoumise. Obéissez, c'est ce que la Bible dit. Soumettez. Toi, tu peux voir que ce que je fais, c'est bon. Mais l'homme n'est pas encore convaincu que c'est bon. Donc, s'il te dit d'arrêter, arrête d'abord. Quand tu arrêtes d'abord, quand vous allez parler, peut-être tu vas le convaincre. Il va dire, ah, d'accord, j'ai compris. D'accord, feu vert. Mais tu veux terminer d'abord avant de lui expliquer. Peut-être il a promis de ne jamais te toucher. Mais il t'a déjà giflé dans son cœur. Mais
cet enseignement-là. Enregistrer, jouer à vos enfants. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le Seigneur peut faire. Alléluia. Regardez la relation entre Jésus et son Église. C'est une relation. Et c'est cette relation qu'il veut que ça se passe entre l'homme et la femme. Regardez tous les désordres qu'il y a dans l'église. Mais Jésus-Christ continue de pardonner son église jusqu'à ce que la trompette va sonner. Il n'a pas encore abandonné son église. Mais pourquoi dans le foyer, ça ne peut pas se passer ainsi? Donc Marie, ne vous aigrissez pas. Ne vous aigrissez pas contre votre femme. La femme doit tout faire pour maintenir un climat pacifique dans son foyer. La paix dans le foyer là. Le premier acteur, c'est la femme. C'est la femme. La femme sage bâtit son foyer. Mais la femme est censée faire quoi? Renverse. Donc pour que le foyer soit en paix, c'est d'abord la femme. La clé est dans sa main. Alléluia. Prenez maintenant le Éphésiens 5, 22. Allez vite. On est en train de finir. Verset 5, 22. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le chef de la femme. Quand Dieu vient dans le foyer, la première personne qu'il voit, c'est le mari. Quand Dieu est entré au jardin, après que les deux ont péché, il a appelé qui? Il a appelé qui? Adam. Il n'a pas appelé Ève. Il a appelé Adam. Adam! Adam! Tu es où? Oh, il sait très bien que c'est Ève qui a créé le scandale. Mais il a appelé Adam. Donc quand il vient dans le foyer, la première personne qu'il appelle, le garant de l'ordre dans le foyer, l'autorité dans le foyer, l'autorité établie dans le foyer, c'est l'homme. Donc tu dois te soumettre. Comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ. Vous avez vu comparaison. C'est que la parole compare même l'homme à Christ. Christ est le chef de l'église. L'homme est le chef du foyer. Donc il n'y a rien que tu peux faire pour changer ça. Ceux qui font la promotion de l'égalité homme et femme, c'est l'enfer. C'est aller contre la parole de Dieu. La femme n'est pas égale à l'homme dans le foyer. Non. Non. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Alléluia. Qui est son corps? Voilà. Et dont il est le sauveur. Yes. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Marie. En toutes choses. Marie. Marie. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Yes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Les maris doivent aimer leurs femmes. Si tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas Dieu. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme aime lui-même. Parce que ta femme est une partie de toi. Elle est tirée de toi. La femme est tirée de l'homme. Donc c'est une partie de l'homme. Est-ce que tu peux aimer ton corps et détester ton bras? Est-ce que tu peux aimer ton corps et détester ta tête? Bon, quelle est la partie de ton corps que tu peux détester? Et quand tu regardes cette partie-là, ça t'énerve. Tu es au complet. Donc la femme fait partie de ton corps. Parce qu'elle est tirée de toi. C'est ta côte. Donc tel que tu aimes toi-même, c'est comme ça que tu dois l'aimer. Parce qu'elle fait partie intégrante de ton corps. Tu ne peux pas la détacher de ton corps. C'est ce que Jésus veut. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. Jamais personne n'a haï. Tu ne peux pas haïr ton corps. Tu ne peux pas le haïr. Même si ta tête est malade, tu le gardes sur le corps. Ta main fait mal. Tu vas le couper. Tu vas couper pour l'amener où? Alléluia. Tu n'as jamais coupé ta main. Mais pourquoi tu veux couper ta femme? Continue. Parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Voilà. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il y a une virgule qu'on va placer là. Pour dire que les visites des parents. Est-ce que dans le foyer chrétien, la maman du père, du papa, peut venir rester définitivement? Alléluia. L'idéal, c'est que chaque chose reste à sa place. L'idéal, c'est ça. Mais si maman, peut-être elle est veuve, papa est mort, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre soin d'elle. Femme, Nonou, comprends ton mari. Mami, pour que maman vienne rester un peu, pour qu'on prenne soin d'elle. Maintenant, la maman aussi, si elle est venue avec les yeux d'Ibou, pour calquer ses yeux, on va la déposer à l'hôpital, on va prendre soin d'elle là-bas. Parce qu'elle a déjà passé sa vie. Alléluia. Elle a déjà fini avec son foyer. Ici, c'est un foyer privé. Alléluia. Donc, la belle-mère n'a pas le droit de mettre sa bouche dans le sujet de foyer.
Je vous dis. Belle mère qui va regarder dans la marmite. Regardez. Il a mangé mon fils. Elle a mangé mon fils. Regardez. C'est une chose comme ça. Nous sommes là. Viande. Hein? À son. Au lendemain. À Gaza. Moi, je n'ai jamais mangé cela chez son père. Hein? Qu'est-ce qui te regarde dedans? C'est pas ton sujet. Elle m'a doué. Tu es malade, on t'a amené pour passer quelques à toi, son diable, il y a quoi le coup? Mais tu commences par. Ah ouais, tiens, nous sommes mes points. Ouais, ton lèvement. Alléluia. La chambre du couple est privée. Il est là. La chambre du couple chrétien c'est privé. Sans autorisation. Yemono biame na emana gbeme akabieme han non nous compte na mio ple on ya autant si tu en dedans ce que tu vas voir ferme les yeux et sors c'est privé y est dedans voe. Alléluia, acclame encore pour Jésus. Il y a pas assez libre pour la chambre trokoko eni bio du couple au point de la si home. Alléluia. C'est un domaine privé. À part quoi de webaye de dovo. C'est comme ça. Mon wendo nani. Alléluia. Amen. Donc pour ce qui concerne, est-ce que les parents peuvent visiter? Mais Baba Tché, il y a des grands amis. Juste passer trois jours, une semaine et repartir. Mais ce grand leko. Maman, pardon à cette femme. Fais grâce. Non, fais grâce. Tu as le droit aussi de refuser. À droite, tu as son grand. Parce que l'homme quittera son père. Donc, sous l'ordre de ton top, non, bon, là, son grand. Donc, écoute ton. Le père, la mère ne va pas rattraper. Non. Au top, il y a quoi, ma son grand vol bien, mais pas. À cause de Jésus. À mon Dieu, surtout. À cause du bon sens. À cause de l'amour qui est en toi. Moi, il y a tout. De toi, il y a. Accepte. Et c'est la grâce que ma femme a fait à ma maman. Elle est actuellement avec moi. Amen. Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Donc depuis quelques mois, ma maman. Sunde die iache eto apache. Et on l'apprend. Bamito. À marcher avec. Deso gandi zonipo Jésus podo. Je sais que si elle retourne au village, certainement, peut-être qu'elle peut retourner à ses vomis. Donc, j'ai demandé la permission à ma femme de m'accorder la grâce pour que maman reste un peu avec nous. Pour qu'on puisse la préparer pour le ciel. Et elle a accepté. C'est une grâce. Donc toi aussi, il faut négocier aussi avec ta femme si okay, tu veux faire la même chose. Donc, Boré a si ta maman vient, na, il faut lui parler. On ne parle pas de tout ce qu'on voit. Nous, mon fils, on te demande quoi pour les pauvres. Faut pas aller. Asia, on te demande bleu. Le sujet entre moi et ma femme, c'est privé. N'importe si est pour voter. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus. Jésus, si c'est pas Jésus, ne de Jésus on peut casser tout. Et là, parler quoi vraiment? Mais avec Jésus, ah mon pauvre Jésus, on arrange tout. Y a nos grands lèvres pour nous. On corrige tout. Y a nos grands lèvres pour nous. On aménage tout. Y a nos tons lèvres pour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans le foyer. Mito ou demain? Vous avez vu? Et moi? L'enseignement a quitté. Et ton son? La naissance. Didi Wenu grandi. Boato Huwen. Préparation. Bon, et nous l'avons. Il s'est rentré au foyer. Wabio Huwen Dometiolo. Alléluia. Donc au foyer, Tohuen Dome. Toujours
du rôle de la femme et de l'homme. Oh, nous, que chacun doit faire. Que ce soyez, qu'ils ont intégré, qu'ils ont formé, soit un paradis. Ni so gani, jikpa, comment faire de ton foyer un paradis? So gani, oh, c'est ça le thème, c'est ça le jikpa, tiens, le dit. Et c'est ce que nous sommes en train de développer. La femme Nyonu doit user de la propre. Et de nanon mime di. Et donne non mime dit la propreté attire aussi l'amour de l'homme. Et donc ton wanyin sun loton les femmes propres les femmes wiwe di bolo yin wona wiwe vient chaque fois la bon sun lo wa il voit que tout là to pe ben to lo poto nu kanu lo poto lo poto nu kanu dégage bi pele la mais wanyin wala et non de wanyin ton il y a un être amoureux dans ce foyer il y a un moi dit mais wona mené mais wona de aide wona ndagbele et to wendo me depuis même ta chambre le lit sur lequel vous êtes dormi faut dresser tes à kamalo faut arranger tes à kamalo quand dit basinion alléluia amen le drap faut arranger et donc nous avons là c'est sale il faut laver n'est qu'du deboyen la cuisine to adopé ça faut pas laisser les mouches venir à josu quoi à classoule nettoyer dans ta cuisine to flimblo faut nettoyer faut arranger les Chloé. Choses vous le bonan le kolopo faut balayer to agbadi zagbaladi zé le kolopo sosu diole quand on vient dans ton foyer on voit ne wa wendo me boy amo ayeye dole ça veut dire que tu as hébergé des étrangers be abe jono le po do pegbe parce que les nettoyer les donc ayeye dole d'araignée les toits d'araignée ayeye dole c'est des nids de sorcellerie a zé va waye yi. Il faut enlever tout ça. De yese kloholo men susu le. Le poni we tete. Yeni ma wa mo nu kwidio kwidio le to tete blo. Ton mari voit ça. Na su wa to ene le mo. Il va voir que j'ai un an. Un an. Un an geli webe. Mais oui, oui. Alléluia. Chaque chose a sa place. No, polo, polo, polo. To c'est tete comme ton, ça. Ton l'homme est sous moi. Le ciel ton l'homme ordonne. Nous les pas ouais ton nous quand nous organisons. Nous les pas ouais ton. Oui nous oui nous. Si le Seigneur vient dans ton foyer aussi. Non coulons ouais ouais de toi mais. Bon morade nous les pas le quoi tete mais. Dans ton salle de bain. Ton fier là où t'es. Il faut nettoyer faut pas que les moisissures règnent là. Indiqué oh nous Diole, yeto flemblo. Faut nettoyer. Cloyé. Alléluia. Amen. Nous les hommes, sont là. On a un problème de brouillon. Mille rien. On a un problème de brouillon. Nous rien. Ouais, mille mino bai. Moi ma femme c'est comme un ange derrière moi. Ah c'était des anges de côté. Je jette quelque chose de brouillon. Et ton nez pendant des drapons. Elle prend. Elle nous écoute. Elle arrange. Elle nous écoute ton main. Amen. Que le Seigneur me pardonne. Dieu soit Milo. Parfois, on vient à la maison, on est tout fatigué. Tu vas seulement, il y a quelque part. Il en plaît. Le Seigneur a créé aussi la femme comme un ange. Au clou d'agneau, t'as dit angeli. Pour l'homme. Pour prendre soin de l'homme. Donc il faut garder ta femme comme un ange. Et nous avons déjà dit ani si vous t'as dit angeli. Toi, femme, prends soin. Yeah, ton mari. Quoi nous quoi sous ego? Étant son ange. T'as dit angel yeton pour te donner. Alléluia. Amen. L'homme, la femme est le miroir de l'homme. Yon nous wenyi mion nous sous nous ton. Quand ton mari s'habille. Na sous son nous. Pour sortir. Bon dia fobola ton. Il n'a pas besoin d'aller se mirer. Emando do houdo ton dandan na ikpon lo nyo ya. Amona si la mouele. Assez quoi mi bo na mo mi lo pe alléluia amen mais ton mari est débraillé moi asu et donne vous donne deo de dit mélanger tu n'as pas surveillé ba ma pe nu kwego peut-être qu'il y a des taches sur le vêtement mais nous sous si le kabi zewi le ko dego
Alléluia. Et tu n'as pas vu. Il est sorti comme ça. À ma point, à Dieu a donné. Et les hommes du dehors regardent. Bah, il t'a mis à Dijon. Il s'est assis dans quoi même? C'est la sauce. C'est pas bon. Et nous, hein? Donc, tu dois suivre tout ça. Adonak ben, quoi, nous, les quoi, qu'on a payé. Mais vous, derrière ton Gandia. Est-ce qu'il a bien payé? Mais vous, derrière ton Gandia. Il y a une tâche dans sa barbe. Oh, netto. Oh, attends, c'est ton travail. Dessinez-moi. Ben, nous, quoi, go. Alléluia. Amen. C'est des détails. Et donc, nous, clin de l'époque, Yemandona, devenant. C'est des détails à ne pas. Nous, clin de l'époque, à moi, Yemandona, devenant. Tout doit être propre dans la maison. La propreté, propreté. Et vraiment, oui, la femme doit nous donner laver ses habits. À où est-on? Et aussi les habits de son mari. À souhaite aussi à où l'est. Si l'homme n'a pas le moyen d'avoir une machine à laver à la maison, c'est ton travail. À son tour, bébé. Fais-le avec amour. Basique, moi, il faut. Tu peux laver Aganya. Les sous-vêtements de ton mari, Donne-nous c'est ça. Donne-nous à sous ton lait. Ne laisse pas les sous-vêtements de ton mari à sous toi, c'est à où de ton lait. Que la domestique lave. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Quand je parle des sous-vêtements là, non, à où de ton ce lait que là. Ton mari porte en bas, oui, ton dos. Lave ça dans les salles de bain. N'y a pas mais. Il ne faut pas permettre que les taches qu'il y a dans le sous-vêtement de ton mari, que la bonne ou bien voit ça. Sous-vêtement, c'est comme la nudité de ton mari. Donne-nous là, tu as dit, mais tu dis à souhaitons. Alléluia. Fais-lui avec amour. Ça ne coûte rien. Même en 2000, tu as déjà lavé son sein. Parce que c'est pour toi. Donc tu es webé. Ne laisse pas. À Jodo. La bonne bien. Vido Megon, Kabi. Non. Ehe. C'est des choses intimes. Nouenele. Eto, oui, vous la main. C'est très important. Eto, t'as dit. Les femmes doivent éviter, la femme. Non, les doivent donna. Éviter une image négative d'elle-même à la maison. Les femmes qui se débraillent à la maison, c'est mauvais. Il y a des femmes, elles se disent, même si je m'arrange, même si je ne m'arrange pas, tu te trompes. Chaque jour, faut travailler pour que ton mari t'aime davantage. Faut travailler pour augmenter le volume de l'amour et non le diminuer. Alléluia. C'est pour ça. Le matin, tu t'es douché, tout s'est bien passé et tout ça. Vous avez prié, ton mari est allé au service. Tu t'arranges même toute la journée pour donner une image positive de toi-même. L'image que ton mari a vue et a désirée. Faut pas perdre cette image, quel que soit le nombre d'enfants que tu as déjà fait. Je te dis. C'est sérieux. Et toi, t'as dit. Tu laisses tes seins débrailler. Alors, deux et deux, dès que tu peux être trop à contacter. C'est pas bon. Et Magnon. C'est pas bon. Et Magnon. Faut porter ton soutien. Deux, nous, il n'a oublié. Deux, t'es là. Sois naturellement présentable. Non. Ni nommé Dagbe, ni nommé. Il faut montrer une image
positif de toi. Donc, pas direct d'après. Mais tu es braya. À mon yé, de Dieu, à mon nom. Braya, braya. Tu sors comme tu veux. À mon temps, de Pépépon. Bon, donne. C'est pas bon. Et manion de Pépé. Ton mari dehors. A souhaité Godo. Avec Jézabel. Et toi, vous aurez. Puis, comment vous avez Jézabel. Jézabel. Jézabel est au corps. Son esprit combat. Son âme combat. Toi, sa pensée combat. Avec Jézabel dehors. Pendant toute la journée. Et toi, vous aurez. Et quoi, Jézabel, quoi. Mais quand il pense à la maison. À mon avis, il est au corps. Ma femme. Elle donc mon assiette. Assiette, elle dit. C'est néglige. Et nos jouets de toi. C'est néglige. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vous dis, quel que soit l'âge de la femme, elle est capable de s'arranger pour que son homme l'aime. Alléluia. Tu as laissé ta tête vraya. Arrange-toi. La sanctification n'est pas contre ça. Le dépouillement, ce n'est pas la négligence. Non. C'est très important. Alléluia. Virgule. Il y a des sœurs dans l'église. Elle ne porte pas soutien. Et elle laisse leur téton. Et l'habit qu'elle porte, quand elle danse, on voit ça comme ça. Soutenez votre sein. Porter soutien, ce n'est pas un péché. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Et le résumé. Il y a comme elle a les seins debout. Elle est ça comme ça. Il faut que tout le monde voit que c'est debout. Nous, on ne voit pas, on ne fait pas voir ça dans l'église. Il faut couvrir ça. C'est sérieux, hein? Les servants de Dieu à la porte, il faut commencer par surveiller ça. Si une sœur vient et vous voyez que ces choses-là, ces flèches sont debout, il faut lui dire la prochaine fois. Il faut que tu viennes, il faut porter ton soutien. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'exposer ça. C'est privé. Alléluia. Donc même à la maison, il faut que tu t'arranges. Ce n'est pas parce que tu as déjà fait 5 enfants, 4 enfants, 3 enfants, donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de saint. Donc même si je suis comme ça, c'est comme ça. Non, 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 non. L'esprit de Brayak Braya là. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous devez aussi combattre à tout prix les odeurs corporelles. Ça passe par ici. Ça passe aussi par les parties intimes. Les mamans, je vous ai dit, vous avez un travail. Les sœurs qui vont venir vers vous, il faut leur enseigner. Parce qu'il y a aussi certains qui ont des infections. Donc, vous devez, les mamans doivent leur apprendre à entretenir leur intimité. Alléluia. À entretenir leur intimité. Les hommes aussi. Vous avez problème. Il y a des hommes, ils ne lavent pas leurs sous-vêtements.
Il porte aujourd'hui, demain, jusqu'à une semaine. Et les odeurs sont concentrées dedans. Et ça devient infection qui les gratte. Et à tout moment, leur main est ici, en train de gratter. Repentance. La sainteté est aussi là. Apprenez à laver vos sous-vêtements. Lavez ça. Nettoyez ça. Les aisselles aussi, arrangez. Les poils d'ici, il y en a, ça concentre les déchets. Si c'est trop pior jusqu'à devenir chaud là, vous pouvez tailler ça. Vous pouvez tailler, c'est pas un péché. Vous pouvez tailler ça. Alléluia. Et mettez la bicarbonate. Mettez soit le citron, ou soit le pierre d'alun, nettoyez. Toi-même là, il faut rester parfois en cachette. Et fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Acclame encore pour Jésus. J'aime qu'on acclame simplement pour Jésus. Jésus est dans les détails. Il est dans les détails. Tu vas au ciel, tu sauras que Jésus est dans les détails. C'est pour ça que la Bible dit, rien de souillé ne peut entrer. Donc si tu négliges même ton propre corps, c'est comme ça ton âme est négligée. Faut rien négliger. Alléluia. Si tu fais bisous à ta femme, demande-lui, chérie, mais pourquoi? Va. Si ça dégage, c'est ton mari, vous êtes ensemble. C'est pas deux, on va lui dire ça. Dis-lui avec amour. Si c'est une infection, ça se traite. Mais si c'est une négligence, je vous dis, bicarbonate là, ça traite aussi les odeurs de la bouche. Je vous dis la vérité. Ça traite proprement. Donc, si tu vois que ah, c'est un problème, avant d'utiliser les pâtes dentifrice, il faut te brosser d'abord avec un bicarbonate. Tu vas voir. C'est une très bonne astuce. Alléluia. C'est comme ça. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Parce que si dehors, quelqu'un méprise ton mari, ça doit te faire mal. Tu sors avec ton mari et il parle. Les gens ne peuvent pas s'approcher. Les gens sont obligés de se tenir loin. Il y a pour certains, c'est vraiment une maladie. Mais je te dis, ça se traite. Avant de dire, il y a le point de tout le monde, on l'a encore.